Yo, c'est ton gars Just Space, on se retrouve sur l'Open Space numéro 2. L'épisode numéro 1 avec Hakim Jemili était un succès de fou, vous êtes au top. Mais cette fois-ci, on va changer de délire. On va accueillir un rappeur. Il a sorti son premier album, Zifukuro, le 3 juin dernier. Je parle bien évidemment de Niska. C'est parti, on est dans l'Open Space comme jamais. Oh Niska! Niska en chair et en os mon gars! Comment on va? Premier rappeur qu'on a accueilli dans l'Open Space. Ouais. C'est un truc de ouf. Moi tu vois quand je me dis que j'aurais Niska, il y a une question que je me suis dit que je voulais directement te poser, c'est quand t'étais jeune, qu'est-ce que tu voulais faire? Je te jure que quand j'étais jeune, les gens ils câblaient parce que quand on me demandait, même à l'école et tout, qu'est-ce que tu veux faire, je disais toujours je sais pas. Jamais tu t'es dit que tu ferais danser autant de gens, que les gens prendraient tes sons comme ça, que non. Même tes expressions limite, ils peuvent rentrer dans le dictionnaire français maintenant, ouais. Tu vois, jamais. J'aurais jamais imaginé ça. Ouais. Mais après. Ça allait vite. Ça allait super vite. Moi, j'ai une question que je vais te poser aussi. C'était forcément par rapport à Mathieu Di. Est-ce que tu trouves que comment il fait ta danse tu valides ou pas? Elle a des problèmes de rein, Mathieu. C'est un petit peu approximatif. On te kiffe, Mathieu Di. Ouais, derrière, on t'adore. Gros bisous à toi, mais big up. Petit problème. Est-ce que après... tu trouves que c'est justement par rapport à ce feat avec Gims qui t'a permis d'ouvrir ton public? Qui justement a fait que tu as changé un petit peu vestimentairement? Non, ça n'a rien à voir. C'était déjà ça, moi je pense que ça c'est surtout moi. Je me suis rendu compte que à partir d'un moment, je me suis rendu compte que le buzz il se concrétisait, tu vois. C'est comme quand tu achètes un produit, il faut que l'emballage soit beau, que ça soit attirant. Donc ouais. Voilà, de ça après on s'est mis dans le bain. T'as vu, moi j'ai toujours aimé les petits chapeaux bizarres un peu, même l'année dernière, tu vois. Et déjà, même dans Charo Life, tu me voyais souvent avec un petit chapeau. Ouais, un petit module un peu classe. Quoi. Ouais, un petit chapeau, tu vois. Ouais. Toujours, moi je suis. Je sais pas, j'aime bien les petits couvre-chefs un peu particuliers. Après ça, c'est un kiff. Allez, je vais prendre Dalsim. Dalsim ? Ouais, je prends Dalsim. Ah, mais toi, t'es plus fort que moi, toi ? Non ? Bah, si, regarde le truc vert, regarde. Non, mais ça, c'est des statistiques. Tu connais les mathématiques, ça, c'est pour embrouiller les gens. Non, c'était comment à l'école, Niska ? J'étais chaud à l'école. C'est vrai ? Ouais, comme ça. T'as été jusqu'à où ? Je suis allé jusqu'au bac. Carré ? Bac quoi ? Ah non, si je dis ça. Si je dis ça, après ils vont me faire la fête là. Non, mais tranquille. STMG, enfin maintenant ça s'appelle STMG. C'est vrai, t'as fait un bac STG? Ouais, STMG. Mais comme moi, mon gars. Ouais, l'ancien. Mais représente. Dans ton bulletin, t'avais toujours ensemble convenant, mais élève perturbateur. Ouais, tu connais, élève bavard et dispersé, tout ce que tu veux. J'ai tout connu. Écris les textes de rap pendant l'école de français. Je suis parti à la fac, mais bon, tu connais la fac. Hein. La fac de quoi? Oh, carrément, pour te dire, je me rappelle même plus. Tellement que je suis allé pour la bourse. Ah, voilà, c'est ça que j'allais dire. Tellement que je suis allé pour la bourse, je me rappelle même plus. T'es allé à la fac pour le Crous? Ouais, pour le Crous, comme jamais. Ta mère, qu'on lui demande, votre fils, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle dit, mon fils, il fait saper comme jamais. Normal. Bon, Niska, on va passer au moment défi. On va faire un match Street Fighter. Ouais. Tu vas prendre ton personnage. Celui qui perd. Le match a un gage. Moi, le gage que je te propose, c'est que tu me fasses un couplet de ton album en live, là, comme ça. Pas de soucis. On est parti ? Vas-y, on joue. Vas-y. Dis-moi où est-ce que tu veux jouer. Je vais t'accueillir où tu veux. Allez. Celui-là ? City. Ouais. City in Chaos. Chaos. On dirait comment c'est écrit Charo. Ouais, City in Charo. City in Charo. C'est parti. Tu me choisis mon personnage. Dalsim. Je prends Dalsim ? Ouais. Niska, je vais pas avoir pitié pour toi. C'est une meilleure gagne. Vas-y. Allez, Ryu. Vas-y. Attends, mais comment j'arrive pas à me protéger ? Genre, je sais pas. Je sais que tu connais Street Fighter, on a tous joué. Allez. J'ai pas envie de chanter. Ne sors pas. Allez, on y va. Mais non. Hey, mais c'est en deux rounds gagnants par contre. Ah ouais, d'accord. Non. Gagné, premier. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Non, mais t'as perdu. Non, mais c'est en deux rounds. Non, c'est en deux rounds. C'est en deux rounds. Non, mais j'ai mal configuré. Coupé. Là, c'était l'échauffe. Là, c'est le vrai moment défi. Là, si tu perds, t'as le gage. Ah non. Non, fais pas la belle. J'ai gagné. Non, mais non. C'est moi qui l'ai joué comme ça. Je connais, je te laisse gagner carrément. Non. Joue vraiment ta vie parce que là, celui qui perd, il a vraiment un gage. Niska, tu vas chanter, Niska. Tu vas chanter, ma gueule. On fait la belle. Là, il n'y a plus de débat. Celui qui perd, il a le gage. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Ah là là. Non. Attends. Chaud là. Jusqu'à ça, on se déboule. Ah ouais. Non. Qu'est-ce que t'as fait là? Là, si tu me tapes, je suis mort là jusqu'à. Oui. Eh, vas-y, Ryu, le combat est chaud. Yes, it. Yes, Ryu. J'ai jamais eu aussi chaud dans un match de Street Fighter. C'est quoi ce délire? Niska, t'es un mytho. Tu me dis, tu joues pas, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis sûr que tu fais de la compétition jusqu'à, c'est pas possible. Non, les réflexes. J'ai gagné. J'ai gagné le défi. Bon, bah, moi, je vais y aller. C'était Niska dans l'Open Space. Merci beaucoup. Tu vas nous faire un couplet du morceau préféré que t'as, ou même un morceau comme ça de Zifukuro. Choisis, vas-y. Très gros album.
Bah vas-y, fais-nous Zifukuro. Hein. Charlie, Delta, Commando. Hey, hey. Ok, bye, bye. Violent comme à l'ancienne. Triste comme purger une paix. Tous ces négros dans la haine. A toujours vouloir qu'on les craigne. Oh, t'en prie mon Dieu. Pardonnez-les s'ils me jugent. Ces jeunes hommes sont pas comme nous. Ils n'ont pas connu le luxe. Pourquoi vendre des meuches? Pour même pas faire 2000 euros. Sarma, t'es pas un tête. Bah bravo, monsieur l'hétéro. Oh, madame la croque. Un jacuzzi en enfer. Igo, on va te faire. Des feux de concours en bas de fer. À qui ils vendront des armes? S'ils nous arrêtent, on va faire la guerre. Négro trop deep, négro trop con, négro trop fier. Bang bang, raboule la caisse. J't'agresse pas, manque de graisse. Oh, je dois m'engraisser. Dorénavant, j'dois encaisser. Niska dans le putain de building, Zifukuro, disponible depuis le 3 juin, ma gueule. Il a perdu son gage, mais ouais, il est chaud, je te check, frérot. Merci beaucoup. On va faire venir un mentaliste. Le mec est très très chaud, très mystique, spirituel, tout ça. On va accueillir Giorgio. Maximum de vous pour Giorgio. Let's go! Yes! Merci beaucoup. Bon, ça va, pas trop angoissé, parce que les mentalistes, ça fait peut-être un petit peu flipper. Tu me fais flipper. Ouais. Allez, bah tranquille, je vous ai touché. On essaie de trouver le nom des darons, vite fait. Ok. Prénom composé, Lydie, Marie-France. C'est quoi ce délire là? C'est vrai. Il y a rien de préparé, hein, on est d'accord. Hein. T'es sérieux? Bah ouais, vous êtes hyper lisible, les gars. Tu sais quoi, on va faire encore mieux avec Niska. Je vais lui faire le portrait de sa femme idéale, d'accord? On va imaginer que tu penses à une actrice, une fille que t'aimes bien. Tu sais que nous, les mentalistes, on est des profilers, on est capable de dresser des portraits. Tu me fais grave peur, Giorgio, t'es chelou. Non, mais c'est lui qui me fait grave peur, rien comme moyen. Je suis choqué. Tu dois penser à une actrice que t'aimes bien, d'accord? Vraiment une actrice que tu kiffes. Elle a le visage assez émacié, elle a une petite cicatrice au niveau du menton. Est-ce que c'est elle? C'est qui ça? Bah, non, c'est pas elle. Je sais pas, je connais pas. D'accord, tu connais pas. Alors, attends, on va faire comme ça, hop. Et vas-y, est-ce que tu peux me dire à quelle actrice tu pensais, s'il te plaît? Jessica Alba. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Plein d'autres trucs là. Ouais, non, mais il a trouvé le prénom de Madaron, mec. Ouais, Madaron. Après, tu nous dis à la fois comment. Tu nous révèles des tours ou pas? Non, mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'en ce moment, c'est le mercato. Donc, je vais essayer de tenter un autre truc. Alors, je sais pas si tout le monde voit bien. Excusez-moi. Voilà. Il y a des chiffres. Pardon, il n'y a pas de chiffres, il n'y a que des lettres. Je suis fatigué. Alors, ce qu'on va faire avec Niska, c'est que je vais te demander, s'il te plaît, de mélanger. Tu mélanges les cartes. Tu mélanges bien. Et on va essayer de trouver le mercato de l'année prochaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait 10. Tiens, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va faire gauche et droite, tu vois. Et puis on va essayer de trouver un prénom, un nom, je sais pas, quelque chose, une tendance qui va arriver pour le PSG. Tu préfères gauche ou droite? Droite toujours. Droite toujours? Ok. Ouais, gauche. Il a dit droite, toujours gauche maintenant. Un I. Droite. Un S. Gauche. Droite. Gauche ou droite? Mais c'est bizarre. Mais c'est quoi ce délire? Droite. Droite, t'es sûr? Ouais. Pas gauche? Non, droite. T'es sûr? Ok. Mais t'es complice ou quoi? C'est quoi ce délire? C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a que les mêmes lettres. Non, il n'y a pas que les mêmes lettres. Et t'as bien mélangé en plus. Essaye un dernier petit truc. Ouais, on va le faire avec ton téléphone. Je suis pas allé sur internet, ça te dérange pas? Alors faut pas regarder, je vais faire une prédiction. On va partir sur les films, d'accord? On va partir sur le cinéma. Je vais te demander, Niska, s'il te plaît, de penser au film qui t'a vraiment marqué. Le film de Biggie, dans la musique. Si c'est Notorious Big, on voit l'affiche de Notorious Big. Je fais une featuring dans ta prochaine mixtape ou pas? Sûr. Ouais. Ok, très bien. Alors j'espère que... Voilà, j'espère que... Non, c'est Attends, ton téléphone, quoi, d'accord? Attends, combien de pages internet ouvert là? C'est pas possible, c'est. Ouais, il a que ça, c'est pas mon téléphone qui vient de le toucher. C'est ça. Franchement, j'ai hésité, j'ai celui-là, Giorgio, franchement, merci de m'avoir invité. Franchement, merci à toi, Giorgio. Alors, en ce moment, je suis au théâtre Trévise. Yes. Voilà, du jeudi au vendredi. J'ai deux spectacles de mentalistes qui s'appellent Mental Expert 1 et Mental Expert 2. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Giorgio. Merci. Et puis, Niska, on va continuer à discuter cette fois-ci de l'album Zifukuro qui est sorti le 3 juin dernier. T'arrives à être
avec un album 18 titres. Comment s'est fait la sélection? Parce que quand même 18 morceaux, c'est beaucoup. Tu sais que pour la petite histoire, quand on m'a dit t'es un, tu as sorti 18 titres, ouais, t'es sûr, ça fait trop, les gens ils sortent plus ça. J'ai dit, mais moi je suis pas comme les gens. Il faut donner de l'amour aux fans. Exactement. Les mecs ils viennent, ils prennent la peine de venir, de prendre des billets, des trucs, des t-shirts, des trucs. Nous, voilà notre façon de leur donner, tu vois, de leur rendre ça, c'est comme ça. Ouais. C'est en musique, c'est en donnant de l'amour, en leur donnant des sons. On sait que les mecs, ce qu'ils kiffent de nous, c'est de la musique. On voit que t'as un feat avec Kalash. La street, dans le délire soit chanté. Comment s'est fait la connexion entre vous deux sur un son comme ça? Kalash, on s'était croisé justement, voilà, en parlant des ventures, on s'était croisé sur les îles. On avait découvert un petit peu le pays, tout ça. Même pas, on s'est croisé en concert en fait, c'est la première fois qu'on se voyait, on faisait un concert commun, tu vois. Ouais. Et de ça, voilà, moi j'ai vu même moi, c'était un brave mec, tu vois, c'est un type, franchement. Big up à Kalash, big up à lui. C'est quoi ton titre préféré? Franchement, le morceau que quand j'écoute, c'est Italia. Ouais, Italia. C'est vrai que cet album il a une sonorité trap, genre un petit peu trap, mais pas que. Ah. Tu vois. Et justement pour en discuter, on va accueillir Sam Chiche, expert musical, qui va te poser quelques questions et qui va aussi te parler de cet album Sif Koro qui est disponible depuis le 3 juin maintenant. Il est où là? Allez, faites rentrer la cuisine. Maximum de bruit pour Sam Chiche. Ça va, ça les gars? Allez, ça les gars. Il est encore ça va. Space. On est là, on t'accueille. Ça fait comme jamais, toujours. Dernière lunette, dernière chose. Eh, trop frais. Alors, ce qu'on va faire, mon pote, je vais te dire 2-3 trucs. Et tu vas me dire, ça te fait penser à quoi? Trap. Il s'attendait pas à cette réponse. Je m'attendais à cette réponse. Atlanta. Chimène. Damn prison boxes. Come here, boy. Chimène. Elle est sortie en plus. Eh, avec des vrais abdos en plus. Ah, hein. Eh, avant ça. Carrément, je suis aucun artiste sur Snap, mais lui, je le suis. Il est réel, ouais, dans le personnage, dans la réalité, tu vois, trop vrai, ouais. ce qu'on aime. Dab, c'est ce qui pas d'affilé pas, il faisait, personne il faisait aux États-Unis. Tu as remarqué, on dirait au West Indies, ils ont mieux compris ton délire qu'en France, on dirait. Bien sûr, tu vois, c'est comment t'expliques ça? Je te jure que même là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment réel. Ouais. Et je te jure que même dans les fins fonds de l'Afrique, dans les ghettos sombres et tout, des fois quand j'allais au Sénégal, dans des endroits, c'était noir, frère. Ouais. Arrivé, les mecs. Ouais, Niska, là. Il chantait mes paroles, je dis, mais lui, comment il comprend? Mais tu sais, le mec, il dit, des fois, je comprends pas tout, mais rien comment tu poses, on sait que toi, tu fais pour nous. Ouais. Ah, je te jure que si ces trucs-là, je pouvais les faire gratuits, frère, je les ferais gratuits pour de vrai. C'est vrai. Je te jure. C'est ça que les gens, ils savent pas. C'est tellement que je kiffe ce que je fais, la Zikmu. Aujourd'hui, si je pouvais le faire gratuit. Ça fait longtemps, quoi. Tu vois, ouais. Je l'aurais fait gratuit, frère, mais après, tu connais, c'est juste qu'on on investit, donc voilà, on essaie de rentabiliser ce qu'on a investi, tu vois, normal. Ça, écoute, là, on va passer au moment musique. Ouais. Alors, mets-moi 3 musiques du moment que tu kiffes. C'est Malox, tu es pour tuer. Il a le délire. On va passer au deuxième son. Un petit futur. Le futur, ça met tout à fait en jeu dans ta musique. Futur, je kiffe. Musicalement. Ouais, musicalement. C'est de toute façon, quand on écoute tes sons, moi je vois une grosse influence trap d'Atlanta, tu vois. Troisième son. Tu mets Akon Peaky Remix. Ah, c'est pour les gosses, ça. Tu vois, petit Nisalo Kito. En tout cas, Niska, c'est un plaisir de t'accueillir dans l'Open Space. Un grand merci à toi. Grosse dédicace à toi pour la suite. Grosse force pour le projet. Gros big up à toute l'équipe. Et retrouvez Niska dans les bacs depuis le 3 juin sur Zifu Kuro. À la prochaine. Pa-pa-pa-pa. Yo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Peace out.